En juillet 2015, la vague de chaleur en Espagne a provoqué un incendie qui a endommagé l'intérieur de la base militaire située au nord de la capitale. Lorsque les pompiers ont éteint les flammes, ils ont eu la surprise de voir que la statue de la Sainte Vierge Marie était intacte. Surprise générale, les flammes avaient tout brûlé, sauf la sculpture de la Sainte Vierge qui se trouvait au centre, ainsi que les fleurs qui étaient autour. Les flammes n'avaient même pas approché la statue. Vous pouvez voir que tout le reste a brûlé, même la terre, sauf la zone entourant Marie. Ce n'est pas la première fois qu'un événement comme cela se produit avec la statue de la Sainte Vierge. Des images choquantes ont été diffusées après qu'un phénomène météorologique dévastateur qui a laissé aucune pierre debout sauf la statue de la Sainte Vierge Marie, qui était intacte au milieu des ruines. Les exemples sont nombreux et ce sont des exemples récents. Un de ces événements était sur la couverture de la presse mondiale avec sa grande photo. À la une du journal de Wall Street, ça s'est passé en 2012 aux États-Unis après le passage d'un ouragan. La région environnante de New York était complètement dévastée. Il ne restait plus que des pierres et des bâtiments en ruine. Et pourtant, la statue de la Sainte Vierge Marie était toujours debout, complètement intacte. Un an plus tard, dans la région des Philippines, là aussi une statue de la Sainte Vierge Marie est restée intacte, encore plus spectaculaire et les images ont fait le tour du monde. En effet, en 2013, le pays est victime d'un tremblement de terre et d'un typhon. Dans ces deux cas-là, les destructions étaient innombrables. Mais les statues de la Sainte Vierge Marie, dans les décombres et les montagnes de poussière, n'avaient miraculeusement subi aucune dégradation.